Attention, les cadres étaient emboulés, hein. Ouais. On était un peu loin, on est parti doucement. Voir ce qu'il a fait. Il est venu de loin, c'est un cheval dur, heureusement qu'il est. Parce que le prince est trop chaud. Faut qu'il arrive à partir plus vite. Il a mérité. C'est pas un cheval de pleine lune. Non, t'es pas seul. Il est pas assez véloce. Seb, un nouveau groupe. Ouais, un petit groupe là. Bah, il n'y a que ceux-là qui marchent. En ce moment, les courses de série, je suis toujours dans le néant. Et puis, les courses de groupe, on les gagne, donc c'est super. Ouais, vaut mieux ce sens-là. Ouais, mais bon, chevaux sont bien. Et puis, j'ai 7-8 chevaux de groupe, donc c'est super. Et là, il a fait une belle course, 13-1 de 2850, c'est beau. En faisant tous les extérieurs en montant, c'est lui qui est venu tout seul en montant, donc il a fait un truc. Le cheval de devant était barré, et il avait, on va dire, 25 mètres d'avance sur nous, donc c'est bien. Mais je peux pas le déborder. Lui il fait la course et comme tu peux voir, il n'avait pas été déféré des cartes depuis l'hiver dernier. Il a fallu qu'il soit bon quand même parce que Hugo de Gnol devant lui menait la vie dure. Ouais, c'est un cheval, ben, on était trop loin. Quand le wagon 2 n'avance pas comme ça, que le wagon de corde avance beaucoup, le problème c'est que. Bah après il faut faire un gros effort, si vous n'avez pas un cheval dur, bah souvent vous ne gagnez pas, donc voilà. Là il a été très fort, il est mis en montant, il a pu en passer 5-6 chevaux, et après en ligne droite, comme il est assez dur, il est venu battre l'autre, mais l'autre est déféré des 4. Il avait très bien gagné à Cagnes-sur-Mer, et on voit que les chevaux qui sont entraînés à Cagnes là-bas, ils sont en forme en ce moment quand ils viennent à Vincennes, donc c'est des bons chevaux aussi. La suite du programme avec Babellino, on pense à quoi? Après voilà, on va sur le ténor de Bonne. Maintenant, forcément, après s'il gagne le prix ténor de Bonne, on sera peut-être tenté pour le prix d'Amérique, mais bon, je pense pas qu'il soit assez maniable pour le prix d'Amérique. C'est un cheval, il part pas vite, ça va être compliqué. Ce sera plutôt sur un prix de Paris ce cheval-là. Moi je le vois comme ça. Voilà. T'as vu ? Ah oui, j'ai vu. C'est quand que tu me prends la roue pour finir ? Ça m'a aidé à me pousser, quoi. Ouais, tu me feras un coup, hein. Pas de problème. Hé, quand tu veux. Ouais. Eric, il a été fort aujourd'hui, Babellino. Ouais, tout à fait. Hein. Le cheval, il a vraiment été très fort. On a fait le dernier kilomètre, je suis parti calmement. Et après, comme en dernier lieu, je suis venu au kilomètre. Et à l'intersection des pistes, il a vraiment été vite. Mais Hugo Duniel nous a donné une bonne réplique. Justement, Hugo Niel refaisait du terrain sur toi pour finir, non? Ouais, dans les 50 derniers mètres, il revenait. Le mien, il était quand même assez fatigué. Et le sien, c'est vraiment un vrai dur. Hein. Comme on pouvait le voir, il avait été quatrième du critérium des 5 ans. Et là, comme m'a dit Romain, ça faisait plus d'un an qu'il avait été déféré des 4. Donc je pense qu'on ne bat pas n'importe quel cheval. La suite de son programme, est-ce que c'est un cheval qui a le potentiel pour gagner le prix de Paris, par exemple? C'est un cheval très dur. Un prix de Paris, ouais, je pense qu'il peut courir un prix de Paris avec des ambitions. Maintenant, il faut voir. Là déjà, il va aller sur le ténor de Beaune. Et après, je pense qu'on courra le pourquoi pas le prix de Paris. Merci Eric. Happiness is true.